C'est à 21h15 que Claude Erignac a trouvé la mort. C'est le premier préfet en exercice assassiné depuis la Libération. Il restait plus grand-chose de l'État. Je veux dire, on n'a pas fait ça, on s'est pas levé un matin et dire on va aller assassiner un préfet ou... Non. Et oui, beaucoup de choses ont été pensées. Et il commence à donner les noms qui X1, qui X2, qui X3, qui X4, qui X5, voilà. Ivan Colonna est désigné comme étant le tireur, il nous manque l'assassin, voilà. Tu sais, je t'aime, Ivan. Et pour que tu puisses toi aussi te défendre avec nous, que je te demande de te mettre à la disposition de la justice. Je t'en prie, Ivan. Il est resté là, dans cette bergerie. Moi, le soir, je rentrais chez moi à la maison au village et lui restait là. Personne ne nous a reconnus. Ou bien on est un soldat, dans ce cas-là, on lève la tête, ou bien on est un enfant, et dans ce cas-là, on ne veut pas être un soldat. C'est clair que c'est regrettable. Tout le monde, tous, on le regrette, bien sûr qu'on le regrette. Tous. Personne ne mérite de mourir. Personne. 6 février 98. Une date qui a marqué l'histoire de la République. Pour la première fois depuis la Libération, un préfet a été assassiné. Il s'appelait Claude Erignac. Il a été abattu de 3 balles dans la tête dans une rue d'Ajaccio. Un dossier de 11 500 pièces, des heures d'audition, de confrontation, 13 ans d'instruction. Une affaire hors norme qui a donné lieu à une cascade de procès et surtout à la cavale la plus médiatisée de France, celle d'un berger corse, Ivan Colonna. Quand des membres du commando qui a assassiné Claude Erignac ont parlé, lui, il a pris le maquis. Il s'est caché pendant plus de 4 ans. Ajaccio, le 6 février 98. Il est un peu plus de 20h30. Claude Erignac, le préfet de Corse, quitte le palais Lantivy, la préfecture de région. Ce soir-là, il a rendez-vous avec Beethoven et sa symphonie héroïque, Schubert, pour une symphonie inachevée. Il dépose son épouse devant le Calisté, la salle de spectacle de l'avenue Colonna d'Ornano, et s'en va chercher une place. Sa voiture garée, il remonte à pied la petite avenue qui mène au théâtre. C'est à 21h15 que Claude Erignac a trouvé la mort. Le préfet de la région Corse a été assassiné devant le complexe de loisirs du Calisté, en plein centre d'Ajaccio. Il faut se remettre un peu dans le contexte. Ça se passe un vendredi soir, à 21h. Le bouclage est quasi terminé. Les journalistes vont rentrer chez eux et on apprend par une dépêche urgente de l'AFP qu'un préfet vient d'être assassiné, un préfet de la République, ce qui est un événement inédit. C'est un crime horrible. Je veux dire, c'est le premier préfet en exercice assassiné depuis la Libération. Et la force symbolique, on pouvait pas s'y attendre, quoi. Enfin, on pouvait pas s'y attendre. En tout cas, on est forcément surpris. Oui, surpris, stupéfait. L'avenue Colonna d'Ornano est fermée à la circulation. D'immenses projecteurs sont installés pour éclairer la scène de crime. La PJ d'Ajaccio commence son enquête de flagrance sous le regard des passants et des caméras de télévision. Une enquête qui débute avec l'arme du crime, un pistolet Beretta posé en contrebas du corps de Claude Erignac. On trouve 3 cartouches, 2 cartouches dans le chargeur, 5 douilles tirées, 5 coups de tirés. 5 coups de feu, 3 balles en pleine tête.
Benoît Lavagne, vous êtes un des avocats et un ami de la famille Erignac. L'annonce de l'assassinat se répand immédiatement. Les chaînes de télé le disent même au milieu de leur programme. Madame Erignac a-t-elle au moins le temps de prévenir ses enfants ? Non, non, non. Quand elle a su ce qui s'était passé et ce qui était vraiment arrivé à son mari et qu'elle a pu chercher à joindre ses enfants, ils avaient déjà été touchés par la nouvelle. Leur père avait été assassiné dans une rue d'Ajaccio en allant à un concert. Claude Erignac était donc marié, père de famille ? Oui, avec son épouse, il a eu 2 enfants qui avaient 20 ans et 24 ans au moment de sa mort. Lui, il avait 61 ans, il arrivait en fait un peu au bout de sa carrière, une belle carrière, je crois. Il avait eu plusieurs postes prestigieux, mais la République, c'était surtout pour lui une forte conviction et un engagement. Du fait de ses différentes affectations, il avait beaucoup déménagé. Il avait été à Paris d'abord, à Nouméa, à Versailles, et pour finir en Corse. Et même, je sais qu'il a laissé partout un excellent souvenir. C'était un homme de très, très grande qualité, humaine, professionnelle. C'est un homme de dialogue qui a été assassiné. Et depuis quand était-il préfet de région ? Il a été nommé préfet de la région Corse au début de l'année 1996, à un moment un peu particulier parce que le gouvernement de l'époque tenait un discours assez classique de fermeté vis-à-vis des groupes clandestins, alors qu'au même moment, tout le monde voyait bien que des négociations à peine secrètes étaient en cours. Claude Erignac appréhendait de devenir préfet dans ces conditions. Cette espèce de schizophrénie le mettait un peu mal à l'aise. Il a essayé à sa place de donner une cohérence à l'action de l'État. Et il était au courant des risques ? Il souhaitait vivre normalement à Ajaccio. Il allait au cinéma, il allait faire du vélo, il allait au concert. Il voulait vivre normalement. On m'a dit que les habitants d'Ajaccio le savaient et qu'ils appréciaient cette simplicité, cette proximité. Face à cet attentat, le premier qui vise un préfet depuis 1945, le gouvernement tape du poing sur la table et envoie immédiatement en Corse un service de choc, la DNAT, la Division Nationale Antiterroriste. Les députés ont suspendu leurs travaux. Pour... Les drapeaux sont en berne. L'émotion est unanime en Corse et en métropole, jusqu'au sommet de l'État. L'assassinat du représentant de l'État en Corse est un acte barbare, d'une extrême gravité et sans précédent dans notre histoire. Il ne restait plus grand-chose de l'État. Le politique est déstabilisé, notamment en période de cohabitation. Il faut être lucide et il faut dire, bon, maintenant, qu'est-ce qu'il va arriver ? Arrivé tôt ce matin, Jean-Pierre Chevènement. Le jour même, Jean-Pierre Chevènement, le ministre de l'Intérieur, se rend en Corse. Il fait de l'arrestation des assassins de Claude Erignac une cause sacrée. Des renforts ont été acheminés. Je suis venu avec le directeur central de la police judiciaire, avec un certain nombre de responsables de la 6e division antiterroriste. La PJ d'Ajaccio doit partager son enquête avec la fine fleur de l'antiterrorisme. Des renforts parisiens tout de suite surpris. Donc moi, ma proposition à l'époque, c'est effectivement une proposition d'enquêteur de police judiciaire, c'est-à-dire préserver les lieux. Mais durant la nuit, la rue a été rendue à la circulation. La première polémique éclate dès le lendemain de l'assassinat quand un passant exhibe devant les caméras de télévision une douille qu'il vient de ramasser sur les lieux du crime. C'est une douille de 9 mm, j'ai l'impression que ce soit peut-être. Et où l'avez-vous trouvée ? Sur la route, là, ce matin. C'est sûr que ce n'est pas tous les jours que vous avez des témoins qui ramassent une douille et qui vous la rendent le lendemain. On va se trouver en présence d'une scène de crime sans avoir jamais, ce qui sera bien sûr une difficulté pour les suites de l'enquête, ni une trace papillaire, empreinte digitale, ni une trace ADN. Voilà, c'est pas fait. Et je veux dire, le travail, le béaba de police judiciaire n'a pas été réalisé. Les différents services policiers se tirent donc dans les pattes alors que l'enquête commence sous la plus forte pression politique que l'île ait jamais connue.
Le gouvernement de cohabitation, lui, tente de tirer son épingle du jeu. C'est le Premier ministre Lionel Jospin qui est venu lui-même. 40 000 personnes horrifiées défilent dans les rues de Bastia et d'Ajaccio. On ne construit pas la Corse, sûrement pas. On la détruit chaque année un peu plus. Et c'est une étape encore qui vient d'être franchie. C'est très grave. Depuis des années, les mouvements nationalistes se livrent à une guerre fratricide qui met la Corse à feu et à sang. Et l'assassinat du préfet sonne comme le point d'orgue, car le 9 mm Beretta que le ou les meurtriers ont abandonné sur place laisse peu de doutes quant à leur identité. Là, vraiment, on a une signature, parce qu'on se rend compte immédiatement qu'en fait, les auteurs des faits ont fait esprit d'abandonner sur place ce pistolet automatique qui, bien sûr, était utilisé pour assassiner le préfet Rignac. L'arme du crime porte un numéro de série A00199. C'est un pistolet qui appartient à l'État. Il a été volé quelques mois plus tôt lors d'une opération commando contre la gendarmerie de Pietrosella en Corse du Sud. Un soir de septembre 1997, deux gendarmes rentrent de patrouille en pleine nuit. Ils regagnent leur caserne. Tout est apparemment calme, mais en réalité, ils sont attendus. Ils sont attendus par un commando cagoulé, qui va les neutraliser. Les gendarmes sont séquestrés et la gendarmerie est rasée à l'explosif. Ils leur ont pris deux armes, d'ailleurs. Donc c'est une de ces deux armes qu'on va retrouver lors des constatations sur place, près du corps du préfet de région. Le groupe terroriste a vraiment pris soin de lier une action contre l'autre par des éléments matériels. Eux-mêmes contribuent à nous donner les moyens de dire « c'est la même affaire ». C'est une revendication. Nous avons tué le préfet et auparavant, nous avions attaqué la gendarmerie de Pietrosel, qui est un fait d'armes pour les clandestins au sein du nationalisme corse. Un pas de franchi dont seul le préfet de Corse, Claude Erignac, a pris la mesure. C'est en effet un attentat important, tout à fait inadmissible, tout à fait stupide. Aucun ministre n'a fait le déplacement dans un contexte de violence pourtant exponentiel. En trois mois, des nationalistes corses ont attaqué trois fois l'État. À Strasbourg, à Pietrosella et à Vichy. Ils espéraient ressouder un mouvement en pleine division en déclenchant une guerre avec le gouvernement. Gilbert Thil, vous êtes saisi avec les juges Bruguière et Levert de l'assassinat du préfet Erignac. L'attentat contre la gendarmerie de Pietrosella a-t-il été revendiqué ? Cette attaque a été revendiquée par le groupe des Anonymes. Cette revendication faisait également état d'un attentat qui avait été perpétré 24 heures auparavant contre les bâtiments de l'ENA à Strasbourg. Et après, on aura un troisième communiqué sans site et sans logo. C'est celui qui va revendiquer les attentats perpétrés contre trois établissements à Vichy dans la nuit du 10 au 11 novembre 1997. Et le quatrième communiqué, sans site, sans logo, sera celui qui sera délivré après l'assassinat le 6 février 1998 du préfet Claude Erignac. Et on sait que c'est le même groupe qui est à l'œuvre. Justement, ces attentats, Pietrosel, Vichy et Strasbourg, est-ce qu'ils marquent une rupture avec les actions qui avaient été menées jusque-là par les nationalistes ? On a eu, à partir de la fin de l'année 1994, une guerre fratricide entre les deux grandes tendances, c'était le FLNC historique et le FLNC, canal habituel, qui se sont déchirés. Ça fait une vingtaine de morts au total, à peu près équitablement répartis dans les deux camps. Pendant cette guerre se développe à bas bruit, sans que ce soit perçu, une radicalisation de ceux qui sont excédés, sans doute blessés par cette guerre. Et le groupe des Anonymes sont des gens qui n'acceptent pas cette évolution. C'est une troisième voie, en fait. Donc, ils fondent un tout petit groupe, celui du secteur de Kergès-Sagone, qui va décider de faire des élections en revendiquant la pureté originelle du FLNC. Voilà. «
C'est dans ce contexte politique radicalisé que les policiers entament leurs recherches. Et la littérature nationaliste leur fournit de quoi travailler. Trois semaines avant l'exécution de Claude Erignac, un mystérieux groupe clandestin, Sans Pierrot, a publié un nouveau communiqué. Un texte dans lequel le mouvement se désolidarisait d'une action plus grave à venir. On pouvait y lire « Nous condamnons par avance toute action contre certains fonctionnaires, représentants éminents de l'État colonial. » La menace contre le préfet était très claire. Pourtant, personne ne l'a prise au sérieux. C'est une situation qui est très dangereuse à ce moment-là. Et je me pose la question moi-même, pourquoi les autorités n'en ont pas eu conscience ? J'ai l'occasion moi, de rencontrer le préfet Erignac au marché Opus d'Ajaccio, en bicyclette, tranquillement. Et je me fais la réflexion, mais il est fou ou il n'a pas conscience de ce qui peut arriver dans ce pays ? Aucune mesure de sécurité n'a alors été prise pour assurer la protection rapprochée du préfet. Il se savait pourtant assis sur un baril de poudre. Il l'avait confié au député Jean Glavany, chargé d'une enquête parlementaire sur la Corse. Je suis à la préfecture, j'étais seul avec Claude Erignac et dans son bureau, il m'a demandé de rester pour bavarder tous les deux. À un moment, je lui ai demandé « Qu'est-ce qu'il y a de plus dur pour vous, monsieur le préfet, dans l'exercice de la mission que l'État vous a confiée ?» Et il m'a dit, il a réfléchi, il s'est tourné vers son bureau qui était couvert d'une pile de dossiers, mais il faisait tous ces dossiers. Ils sont tous pourris. Je me souviens de ça, ils sont tous pourris. Il n'y a pas un dossier qui ne soit pas qui soit un dossier de financement clair, transparent, tout est pourri. Et en plus, vous savez, M. Glavany, c'est particulièrement difficile pour un républicain comme moi d'aller dans les manifestations et de serrer la main de certains élus dont on sait qu'ils ont du sang sur les mains. Il était très conscient à la fois de la difficulté de la tâche et puis de ce climat délétère. Il m'a dit ces phrases que je n'ai jamais citées depuis, qui étaient très lourdes de sens. Parmi les dossiers les plus délicats que doit régler le préfet, celui de la dette des paysans corses qui doivent 1 milliard de francs au Crédit Agricole. Le gouvernement Juppé n'a pas voulu effacer l'ardoise. Les manifestations se sont multipliées, notamment contre la préfecture d'Ajaccio. Du coup, la police s'intéresse au meneur de la fronde agricole, un certain Marcel Lorenzoni. C'est aussi l'un des fondateurs du FLNC, un éleveur de porcs au parcours politique et syndical mouvementé. L'homme est arrêté le 9 février 1998. Vous apercevez qu'il a tout un parcours, certes dans le séparatisme corse, mais qu'il a un parcours aussi important dans le syndicalisme agricole à coloration nationaliste. Chez lui, les policiers saisissent des armes et des explosifs. Marcel Lorenzoni est mis en examen et incarcéré pour détention d'armes. La police est sûre de tenir un personnage clé de l'enquête. Pourtant, l'éleveur se défend bec et ongles, il n'a pas participé à l'assassinat du préfet Erignac. Mais les arrestations se poursuivent dans le milieu agricole. Du mois de février au 31 décembre, il y a eu 350 interpellations. Au final, beaucoup d'agitation pour pas grand-chose. Les suspects sont relâchés les uns après les autres. Après 18 mois de prison, Marcel Lorenzoni est lui aussi libéré. La piste agricole, celle que l'on a appelée le dossier 1337, ne mène nulle part. Et je me souviens notamment d'être arrivé dans un village et face à une vieille dame qui vient de voir l'un des membres de la famille interpellé, cette vieille dame me dit bon, le préfet Erignac, c'est le renard qui l'a pris. C'est le renard qui l'a pris, c'est-à-dire c'est le dicton corse pour dire jamais. Jamais cette affaire ne sera solutionnée. Et c'est finalement l'impression qui domine pendant les premiers mois de l'enquête. Tandis que la police enquête, l'État reprend les rênes. Trois jours après l'assassinat de Claude Erignac, un nouveau préfet de région a été nommé. Il s'appelle Bernard Bonnet.
Il connaît bien la Corse. Il y a déjà été préfet de police. C'est un fonceur, un homme à poigne, qui va relancer l'enquête. Mais son tempérament va précipiter sa chute. Lorsque le nouveau représentant de l'État se rend sur les lieux mêmes où le préfet Erignat est assassiné, les gardes du corps sont sur les dents, sans doute un peu plus que d'ordinaire. Quand on se déplace avec lui, on est entouré de gardes du corps, mais un mur quoi, de gardes du corps autour de nous. C'est que le contact avec la population devient très très dur. Puis le préfet Bonnet rejoint sa préfecture et les problèmes qu'il y attendent. Mais très vite, le préfet Bonnet passe à l'action, tous azimuts. C'est vraiment un caractère offensif, on multiplie les opérations un petit peu dans tous les sens. Il y a tous les chefs de service de l'État qui sont remplacés. Bernard Bonnet suit avec le même zèle l'enquête sur l'assassinat de son prédécesseur. Et il n'hésite pas à jouer la guerre des polices. Il fait appel à un nouveau service, le GPS, un corps d'élite de la gendarmerie. Il le met en concurrence avec la PJ et la division antiterroriste. Alors moi, on m'a dit que c'était peut-être parce que ils trouvaient que l'enquête prenait trop de temps et qu'on n'allait pas à l'essentiel. Et en fait, bon, on sait après ce qui s'est passé. Il a fait travailler en doublon la gendarmerie nationale sur des dossiers pour lesquels il n'était pas saisi. Le préfet s'appuie sur un mystérieux visiteur proche des milieux nationalistes pour faire avancer l'enquête. Cet informateur, Bernard Bonnet, le surnomme Corté, du nom d'un bourg de la Corse du centre. Et cet informateur lui apporte un certain nombre d'éléments sur ce qui s'est passé au sein du groupe qui a conduit l'assassinat de Claude Erignac et, ce qui est peut-être plus intéressant, ce qui continue à se passer au sein de ce groupe. Parce que ce groupe vit toujours, est toujours mouvant et projette d'autres actions. Donc on a un peu le sentiment qu'en temps réel, Bernard Bonnet dispose d'informations sur le cœur opérationnel de cette cellule. Ce mystérieux Corté refuse de transmettre ses informations à la justice. Le préfet Bonnet rédige donc lui-même une note qu'il remet en main propre au procureur général de Paris. Plusieurs noms de militants nationalistes y figurent, parmi lesquels Colonna, Alessandri, Ferrandi, ou encore celui de deux enseignants du nord de l'île, Andriuzzi et Castella. Ces informations sont transmises aux renseignements généraux. Mais en janvier 1999, après quelques mois de surveillance, ils rendent leurs conclusions. L'activité publique d'Alain Ferrandi est aujourd'hui totalement éteinte. Autrement dit, l'homme ne fait plus parler de lui. Les Colonna, les fils d'un député des Alpes-Maritimes, n'attirent pas davantage leur attention. En d'autres termes, circuler, il n'y a rien à voir. L'enquête est au point mort. Elle va rebondir là où on ne l'attend pas, à cause d'une autre affaire, celle des Payottes, ces restaurants de plage construits en toute illégalité et dont la justice réclame la destruction sans l'obtenir. Bien décidé à remettre l'île dans le droit chemin, Bernard Bonnet s'attaque au problème d'une manière très personnelle. C'est ici, dans ces rochers, que des jerrycans d'essence ont été découverts à proximité d'un petit restaurant de plage incendié samedi dernier. Dans la nuit du 20 avril 1999, deux Payottes ont pris feu. Quand leurs incendiaires sont arrêtés, c'est la stupeur. Ce sont 5 gendarmes. Le préfet Bernard Bonnet doit aller s'expliquer à Paris. Je suis à la fois triste et abasourdi. Pourquoi abasourdi ? Abasourdi, parce que c'est une affaire qui est vraiment stupéfiante. Stupéfiante. C'est très choquant. Vous pensez que pour l'État... Quand on découvre que le préfet est lui-même associé à cette entreprise, bon, c'est quelque chose d'inimaginable. L'affaire des Payottes devient une affaire d'État. Des CRS. Des manifestations d'indignation éclatent dans Ajaccio. Écartez-vous, messieurs, s'il vous plaît, les voitures sont rapides. Il est un peu plus d'une heure du matin. Écartez-vous, monsieur, vous êtes en feu. Dans ces voitures, Bernard Bonnet et son directeur de cabinet quittent le palais de justice d'Ajaccio.
Tous deux sont mis en examen pour complicité de destruction de biens appartenant à autrui. Imaginez ce personnage investi d'une mission sacrée en Corse, rétablir l'état de droit, être arrêté, perquisitionné au sein même de la préfecture par les gendarmes. C'est un traumatisme, un bouleversement absolu, surtout quand on voit quelques jours plus tard le préfet Bonnet, qui était le personnage le plus puissant sur l'île, qui se retrouve comme un vulgaire malfrat à la prison de la Santé. Destitué et humilié, Bernard Bonnet allume un contre-feu depuis sa cellule par la voix de son épouse. Le 18 mai 1999, elle révèle à un journaliste de La Voix du Nord que son mari a livré il y a déjà plusieurs mois le nom des hommes qui auraient participé à l'assassinat de Claude Erignac. Une liste dont la justice n'a rien fait. Monsieur Thiel, pourquoi les informations transmises par le préfet Bonnet n'ont-elles pas été prises au sérieux ? Et les notes Bonnet transmises par le procureur de la République de Paris, qui a recueilli donc les éléments que ce dernier avait en sa possession, il les a transmises à mon collègue Jean-Louis Bruyère. Ni ma collègue Levert, ni moi-même n'avons jamais été informés de l'existence de ces notes-là. J'en apprendrai l'existence par la presse. Après l'interview de Mme Bonnet, vous avez connaissance, on vous fournit ces notes ? Ah non, on les a demandées, mais bon, on les attend encore, je ne sais pas. Elles ne sont jamais rentrées dans votre procédure ? Elles ne sont jamais rentrées dans aucune des procédures, ni celles consacrées aux trois attentats à Anté-Erignac, ni à la procédure Erignac. C'est quoi, c'est le résultat de la guerre des polices ? Les choses n'étaient pas au beau fixe entre la police judiciaire insulaire, la division nationale antiterroriste dirigée par Roger Marion, il y a les renseignements généraux, et il y a encore un nouvel intervenant, ça c'est quand même quelque chose d'assez singulier, c'est le préfet Bonnet, qui s'est mis dans la tête qu'il était en charge de diriger une enquête. Il y a parmi les nombreuses leçons à tirer de cette affaire-là, c'est qu'en tout état de cause, on ne s'improvise pas enquêteur, et même si on est préfet de la République et que c'est son prédécesseur qui a été assassiné, on ne peut pas, un préfet n'est pas fait pour cela, et on a bien vu quelle dérive cela a entraîné. Et cette confusion a failli être fatale à cette enquête. Dominique, dans ce dossier, les enquêteurs s'intéressent à la téléphonie, et c'est une grande première. Le patron de la PJ d'Ajaccio, Dimitrius Dragacci, va dire aux opérateurs téléphoniques « Vous me conservez la trace de tous les appels téléphoniques qui ont été passés de fixe ou de portable dans les heures qui ont précédé et les heures qui ont suivi la mort du préfet Erignac. » Les opérateurs vont remettre à la police des milliers d'appels téléphoniques et la police va faire le tri. Ce qui les intéresse, c'est un créneau qui se situe dans le temps où Claude Erignac quitte la préfecture et l'heure à laquelle il est abattu, 21h06, le 6 février 1998. Donc on resserre, on va utiliser, on va inventer, c'est les policiers qui vont le faire là encore, un logiciel informatique qui va trier les appels, tous ceux qui ne sont pas intéressants. On va éliminer, de 3600 appels, on va arriver à 8 appels intéressants. 8 communications téléphoniques entre 2 portables. Et on va s'apercevoir que les appels téléphoniques ont commencé entre le premier et le deuxième portable à 20h16 et qu'ils ont arrêté de s'appeler à 20h57. Le premier portable se trouve dans le secteur de la préfecture et il va borner sur le relais de la préfecture. Le deuxième portable, comme par hasard, se trouve ici, c'est le relais de la Punta, c'est là qu'il va borner et c'est le relais qui couvre l'avenue Colonna d'Ornano, là où est mort le préfet. Déduction des policiers, celui-là, c'est le guetteur, il est à la préfecture, il regarde partir le préfet, et celui-là, l'autre, c'est peut-être celui du tireur, ou d'un complice du tireur, qui attend le préfet. Et on arrive à identifier les propriétaires de ces portables ? Oui Frédéric, ça c'est facile. Hein. Les deux portables appartiennent à deux entreprises. L'un appartient à la société Hertz, loueur de voitures, l'autre à un hôtel de Cargès qui s'appelle le Grand Bleu. Mais maintenant il faut savoir si ces téléphones ont un utilisateur régulier. On va éplucher les communications téléphoniques passées avec chacun de ces portables et découvrir qu'en fait, pour Hertz, c'est devenu le téléphone
personnel d'un homme qui s'appelle Alain Ferrandi et qui est le patron de l'agence Hertz d'Ajaccio. Et pour l'autre téléphone, eh bien, il est devenu le portable personnel du comptable de l'hôtel qui s'appelle Didier Maranelli. Déjà deux noms. Alain Ferrandi, le patron de la concession Hertz d'Ajaccio. Didier Maranelli, le comptable du Grand Bleu à Cargèse. L'étude des communications en livre encore deux autres. Pierre Alessandri, distillateur d'huiles essentielles à Cargèse. Et Marcel Istria, un employé de la société d'Alain Ferrandi. Le soir des faits, vers 21h, 21h20, il y avait eu un échange téléphonique entre Alain Ferrandi et Marcel Istria. Pour la première fois, ça s'est produit qu'une fois. À 5h33, le lendemain matin, il y avait pareil, du domicile de Marcel Istria. Marcel Istria avait appelé le domicile d'Alain Ferrandi. Cette fois, Roger Marion lance une vague d'interpellations. Il y a urgence. Les révélations de Bernard Bonnet font scandale et un vote de censure doit venir sanctionner le gouvernement sur sa gestion corse la semaine suivante à l'Assemblée nationale. Là, bien sûr, on décide d'intervenir dans des règles, dans des créneaux, disons, de discrétion maximum, c'est-à-dire le week-end. Et d'où le choix du week-end de Pentecôte in fine. Les policiers de la DNAT embarquent donc de nuit. On part de Villacoublay avec un avion particulier. On arrive sur Ajaccio vers 3h30 ou 4h du matin. Là, on va attendre une bonne heure à l'intérieur de nos avions. Les policiers ont quatre cibles principales. Didier Maranelli et Pierre Alessandri à Cargèse, Marcel Istria et Alain Ferrandi près d'Ajaccio. À 6h du matin, les interpellations commencent. Mais Alain Ferrandi nous attend. C'est l'impression que l'on a d'entrée. Il n'est pas surpris. Il s'attend à être interpellé. Alors qu'il fouille le coffre de sa voiture, pendant de longues minutes, Alain Ferrandi, l'homme à la casquette, attend. On trouve pratiquement rien. Pas grand-chose. Voilà. On lui notifie sa garde à vue, ainsi qu'à son épouse. On appelle quelqu'un de la famille pour récupérer les enfants. Et en fait, on va trouver ce téléphone portable qui nous intéresse sur son lieu de travail. Dans son bureau. La police transfère aussitôt les quatre suspects et trois de leurs compagnes au siège de l'antiterrorisme à Paris. Un voyage sous haute surveillance, sur des vols différents. Les jeux de regard et de croisement de regard dans l'avion, c'est... voilà, est-ce que tu vas tenir, te pas tenir, est-ce que tu vas tenir, pas tenir. Voilà, parce que bien évidemment, les alibis sont prêts. Moi, mon mari, il n'a pas quitté, ou mon ami, il n'a pas quitté le lit de la nuit. Voilà, hier soir, il est rentré, il était tôt, et puis ce matin, le lendemain matin, il était avec moi. Les gardes à vue commencent. Comme il s'agit de terrorisme, les policiers ont 96 heures pour obtenir des aveux. Comme j'ai déjà dit, c'est un fusil à un coup. Parce qu'on n'était que dans une hypothèse d'enquête. Je rappelle, nous n'avons aucun élément matériel. Et les prévenus sont aguerris. Ils nient tous leur participation à l'exécution de Claude Erignac. Évidemment, ils ont tous un alibi. À commencer par celui qui intéresse le plus les enquêteurs, Didier Maranelli. Son portable se trouvait dans la zone de la préfecture le soir de l'assassinat. Si Didier Maranelli nie que ce portable, il l'avait le soir des faits, c'est terminé. Il n'y a plus de solution de l'affaire. Hein. Alors les policiers lui tendent un piège. On voulait le forcer à dire des choses mensongères qui allaient ensuite, à partir d'un certain moment, se retourner contre lui. À partir du moment qu'il a dit qu'il a reconnu qu'il utilisait le soir des faits, le portable, le Grand Bleu, il a commencé à essayer de raconter une histoire, comme quoi il était à la chasse à la bécasse. Vous imaginez que très vite, on avait compris qu'il avait au moins quelque chose à cacher, à défaut de passer à des aveux. À partir du moment qu'il avait
inventé complètement cette histoire et que l'on avait la certitude technique que le soir des faits, il se trouvait à Ajaccio et non pas sur les hauteurs de Cargèse, pour nous, ça pouvait, on pouvait continuer à dérouler les interrogatoires de façon plus précise. Les policiers apprennent alors à Didier Maranelli que sa compagne est revenue sur ses déclarations. Elle ne confirme plus son alibi, la fameuse partie de chasse à la bécasse. Il est coincé. Dans un premier temps, il va dire « Mais moi, je vous fais des aveux, je vous explique ce qui s'est passé, mais je ne parlais que sur ce que j'ai fait moi. Et pour la clarté de mon propos, je vais utiliser des X. » Et je ne citerai aucun autre nom que le mien pour vous dire qui a participé à l'assassinat du préfet Erignac. Mais lors de sa 7e audition, le 23 mai 99 à 2h du matin, Didier Maranelli accepte de donner aux policiers les autres noms des membres du commando. Et il commence à donner les noms qui est X1, qui est X2, qui est X3, qui est X4, qui est X5, voilà. Et il a un doute sur le chauffeur qui prénomme Martin, mais qu'il n'a pas d'autres informations sur le X5. 15 mois après la mort de Claude Erignac, la police y voit désormais plus clair. Elle a obtenu par ailleurs le nom de ceux qui seraient les commanditaires des enseignants de la cellule du Nord. Et elle tient maintenant les noms de ceux qui auraient assassiné le préfet, ainsi que leurs complices. Alain Ferrandi, le chef du commando, Pierre Alessandri, Marcel Istria, Didier Maranelli, José Versini et un certain Martin. Quant au tireur X2, il s'agirait d'Ivan Colonna. Monsieur le juge, le nom de Colonna a été cité à de nombreuses reprises pendant ces gardes à vue. Vous arrivez à savoir qui a fait quoi alors ? C'est Didier Maranelli qui a donné le top départ quand il a vu le préfet sortir de la préfecture du Palais Lancier. Lui, il est posté devant la préfecture. Il est posté sur une terrasse à proximité. On sait que Marcel Istria reste au dépôt de la société Hertz, d'où est parti le commando. On a un qui fait le chauffeur, c'est Martin Ottaviani. Et Pierre Alessandri dira que c'est Ivan Colonna qui a tiré, que lui était juste derrière et un peu plus en retrait à l'inférandi. Et il y a un certain nombre d'autres éléments de la procédure qui laissent à penser que c'est Ivan Colonna qui est le tireur. Dans leur déclaration, il est aussi question de la cellule du Nord. Oui. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette cellule-là ? C'était les deux enseignants Castella, Vincent Andreozzi. Ces gens-là ont été reconnus et authentifiés comme commanditaires de l'assassinat du préfet Erignac et les autres actions commises avant cet assassinat. Tous ces hommes se mettent à table ? C'est un peu étonnant pour des nationalistes chevronnés. Pourquoi ils parlent ? Vous savez, le mythe qui consiste à dire « il ne parle jamais », il n'y avait qu'une seule période, c'est celle du début des années 80 et la fin des années 70, où il récusait purement et simplement la justice coloniale et il disait « je n'ai rien à déclarer ». Et il s'en tenait. Il s'en aperçut que ça pouvait faire beaucoup de dégâts. C'était à peu près le même tarif pour tout le monde, vous voyez ce que je veux dire. Par contre, au début, ils ont fait aussi, moi je ne vous reconnais pas, et puis finalement, ils parlent. Ils parlent parce qu'ils ont été relativement bavards avec leur compagne, et leur compagne, elles comprennent à un moment que l'alibi qu'on leur a demandé de fournir pourrait leur coûter relativement cher. C'est une action politique qu'ils veulent revendiquer ? C'est ce qu'ils disent. On a voulu créer un électrochoc, dont, après Pietrozelle, on passe au stade au-dessus. On assassine le préfet. Alessandri, Maranelli, Ferrandi, Istria, ces quatre hommes sont déjà en garde à vue. Trois autres courent encore dans la nature. Ottaviani, Versini et Colonna, il est urgent de les cueillir. Mais les policiers vont se faire doubler. Didier Maranelli a donné le nom d'Ivan Colonna, mais 24 heures avant lui, sa compagne l'avait déjà balancé. Pourtant, Roger Marion n'a pas donné l'ordre de l'arrêter. Ivan Colonna, il n'était pas suspect au travers de notre identification par la téléphonie. Les policiers ont-ils fait preuve d'une prudence excessive parce qu'il s'agissait du fils d'un ancien député ? Roger Marion s'en défend. Avant d'aller interpeller une personne, on vérifie
si on peut, le positionner et savoir à quel endroit il se trouvait. Mais certains policiers dénoncent ces atermoiements. Depuis le 6 février 1998, c'est sans doute la première fois où on veut autant de certitudes pour aller arrêter quelqu'un. Mais j'aurais dû logiquement recevoir un coup de fil me demandant d'aller arrêter, entre autres, M. Yvan Colonna. Ce retard à l'allumage est à l'origine d'une nouvelle polémique, car les policiers se font bien doubler. Le 22 mai, le journal Le Monde révèle que l'ensemble du commando a été identifié. Yvan Colonna, qui lit aussi la presse, doit sentir l'étau se resserrer. Nous-mêmes, enquêteurs, on ne sait pas que, d'abord, qu'il va y avoir un article dès le samedi dans Le Monde où, qui évoque les interpellations sur Ajaccio en disant que d'autres membres du groupe n'ont pas encore été inquiétés. Et encore plus grave, on n'est pas au courant, on n'est pas mis au courant que Yvan Colonna et son frère Stéphane ont donné rendez-vous à des journalistes pour donner cette conférence de presse. En effet, en fin de journée, Yvan Colonna répond aux questions d'un journaliste à Cargès, dans son village. Avec une parfaite maîtrise, Yvan Colonna proteste de son innocence. Je pense qu'il faut des résultats, et par rapport à ces résultats, il faut des coupables. Les coupables à tout prix, eh bien, on trouve des gens qui ont le profil. Alors peut-être qu'on a le profil des gens qui sont responsables de cette action, mais on n'y est pour rien, donc je ne vois pas pourquoi et cet acharnement. Quand la seconde vague d'arrestation commence, les policiers n'ont aucun mal à mettre la main sur Martin Ottaviani, le chauffeur présumé du commando, et sur José Versini, qui aurait participé à la préparation de l'assassinat. Yvan Colonna, lui, est introuvable. On va se rendre compte que dès le samedi après-midi, il a commencé à préparer sa cavale. Il va aller récupérer 30 000 francs à la banque de Cargès. Voilà, il fait sa conférence de presse. Le lendemain matin, il se lève tôt, il va à sa bergerie. Et ensuite, il s'enfuit, il prend le maquis. Pour les policiers, l'échec est cuisant. Yvan Colonna est désigné comme étant le tireur. Il nous manque l'assassin, voilà. Et bon, en plus, quand vous dites que c'est peut-être un moment de... une question de tempo, de timing, voilà, c'est toujours extrêmement rageant. Et ça relève de la seule responsabilité de Roger Marion. C'est sûr, il y a une erreur. Est-ce que cette erreur est d'ordre technique ou est-ce qu'elle relève d'une arrière-pensée politique? C'est une question qui aujourd'hui n'est pas résolue. Pascal Garbarini, vous êtes l'un des avocats d'Yvan Colonna. Pourquoi s'est-il enfui, votre client? Yvan Colonna a décidé de s'enfuir parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Parce que au moment où les interpellations ont lieu, Yvan Colonna est d'ores et déjà désigné par tout le monde, police, presse, comme étant l'assassin du préfet Erignac. Et il voit son nom placardé. Un journal, François, à l'époque, en fera sa première page en mettant « Wanted », tueur de préfet, avec la photo d'Yvan Colonna. Il se retrouve dans une situation où il fait un choix. Ce choix, c'est le sien, il est respectable, il décide de partir. Mais pourquoi parle-t-il, les membres du commando? Pourquoi tous désignent-ils Yvan Colonna comme le tireur? Alors, il y a ce qu'on appelle une sorte d'effet domino. L'un va le désigner et ensuite les autres vont se servir de la désignation de l'autre pour venir accuser Yvan Colonna. Mais ça ne les exonère pas, eux? Ça les exonère énormément, contrairement à ce que vous dites. Le principe, c'est bien évidemment d'arrêter le commando qui a tué le préfet. Mais surtout, c'est de connaître le tireur, celui qui a tué le préfet, celui qui lui a mis les 3 balles dans la tête. Par derrière. C'est ça ce que la justice, ce que l'État veut savoir, ce que l'opinion veut savoir. Donc ce qu'il faut, c'est le tireur. On a les membres du commando, on les a interpellés, ils reconnaissent. Et ils se donnent, encore une fois, de l'oxygène, ils permettent d'avoir une garde à vue qui va beaucoup mieux se passer par la suite, en disant, mais nous, on en fait partie, on le revendique, on va vous expliquer pourquoi, mais c'est pas nous qui avons tué. C'est un fils d'un ancien député socialiste. Est-ce qu'il n'a pas été protégé?
en fin de compte. Ça, c'est ce qu'on a essayé de dire, mais en aucun cas, protéger son fils pour le père, ça voulait dire trahir les principes de la République qu'il a toujours respectés. L'assassin présumé du préfet Erignac devient donc l'ennemi public numéro 1. Sa photo est placardée dans toutes les gendarmeries, les commissariats, les gares et les aéroports. Ce fugitif est déjà bien connu des services de renseignement. Yvan Colonna, ce n'est pas un nationaliste lambda. C'est quelqu'un qui d'abord a pignon sur rue, qui dans le village anime les matchs de foot, est visible. Et pour les services de police, c'est un des objectifs depuis des années. Yvan, c'est le cadet d'une des grandes familles de Cargèse, les Colonna. Il naît à Ajaccio le 7 avril 1960, mais il grandit à Nice, où son père est enseignant et député. C'est là qu'il fait ses études pour devenir professeur de sport. Mais sa tête et son cœur sont ailleurs, de l'autre côté de la mer, au village où il a appris le corse avec ses grands-parents. Ce village de Cargèse qui fut le bastion des bandits grecs avant de devenir celui des nationalistes les plus endurcis. C'est pour cette terre qu'il aime et veut défendre qu'il devient berger et s'engage dans le mouvement indépendantiste. C'était un garçon attachant, il était plus jeune que moi à l'époque, donc il était très volontaire. On voyait vraiment que c'était quelqu'un qui vivait minute par minute son engagement et que la Corse, ça représentait tout pour lui. Nous disons que les attentats, ils ne se produisent pas qu'à Cargèse, ils se produisent partout dans toute la Corse et ils sont le produit d'une lutte de libération nationale. Le 12 juillet 83, les policiers saisissent dans la propriété familiale de Cargèse un sac caché dans un puits. Un sac qui contient un rouleau de mèche lente, deux détonateurs, 26 cartouches de calibre 30-30 et un passe-montagne bleu marine, la panoplie du parfait militant clandestin. Mais Yvan Colonna déclare que cet équipement n'est pas à lui, aucune suite judiciaire n'est donnée à cette découverte. On ne peut pas dire qu'il y ait un acharnement de la justice coloniale vis-à-vis d'Yvan Colonna dans les années 80 et au début des années 90. Républicain convaincu et engagé, Jean-Hugues Colonna a souvent confié à son ami le député socialiste Jean Glavany ses inquiétudes au sujet de ses fils, Yvan et Stéphane. On avait des liens d'amitié très étroits et j'avais eu l'occasion de parler avec lui de nombreuses fois de ses fils qui étaient quand même des nationalistes avérés, qui avaient été repérés depuis longtemps. Il y avait une cache d'armes qui avait été trouvée dans une propriété familiale dans les années 80 à Cargèse. On avait dîné en soi ensemble à Paris et il m'avait transmis un message pour Mitterrand, un message oral. Pour lui dire, dit au président de ma part, mes fils sont mes fils, mais la République, c'est la République. Une phrase qui résonne lourdement le dimanche 24 mai 1999, quand Jean Glavany apprend qu'Yvan Colonna est recherché par toutes les polices de France. Je suis abattu pour mon ami, parce que je sais que c'est le début d'une nouvelle longue épreuve, quoi. Yvan Colonna a quitté sa maison samedi en expliquant à sa famille qu'il partait dans les alpages. Depuis, plus de nouvelles. Le berger ne peut pas ignorer pourtant qu'il est recherché. Sa photo est placardée partout et c'est un père bouleversé qui l'appelle à la raison. Je vais lui dire, Yvan, tu sais, je t'aime, Yvan. Et c'est pour ton fils. Et pour que tu puisses toi aussi te défendre avec nous, que je te demande de te mettre à la disposition de la justice. Je t'en prie, Yvan. Mais le berger ne refait pas surface, il aggrave son cas. Des gens innocents qui s'enfuient, enfin j'en connais peu quand même, hein. J'ai pas d'exemple en tête. À l'époque, il n'existe pas d'unité de recherche des fugitifs. La PJ d'Ajaccio doit conduire la traque toute seule. C'est vrai que dans un premier temps, on n'y a peut-être pas mis tous les moyens nécessaires ou tous les moyens qu'il convenait de mettre en œuvre pour vraiment le rechercher.
dans une île où la prise du maquis reste un acte de bravoure et le soutien aux fugitifs un devoir. Pierre Poggioli le sait bien, lui qui a passé des années en cavale. Moi, personnellement, pendant ma cavale, il y a des gens qui étaient à l'époque RPR, donc qui étaient antinationalistes, qui m'ont aidé dans ma cavale, etc. Donc je pense que nous sommes une société de proximité. Donc à partir de ce moment-là, on connaît des gens de tous les horizons. Et c'est pas étonnant que des gens de bords opposés se retrouvent solidaires, y compris d'Yvan Colonna en cavale, et l'aident du mieux qu'ils peuvent. Les policiers savent que la tâche ne va pas être facile. Ils commencent par le commencement, cerner l'entourage du fugitif. De manière très classique, en surveillant la famille, l'environnement, on pense que le fugitif, quel qu'il soit, d'ailleurs que ce soit Yvan Colonna ou un autre, la première chose, c'est qu'il va peut-être tenter de rentrer en contact avec sa famille, notamment avec son fils auquel il était très, très attaché. La surveillance s'organise en Corse, sur le continent et ailleurs. Il ne faut négliger aucune piste. Hein. On peut imaginer qu'il soit à Paris, qu'il soit à l'étranger. On le voit partout, Yvan Colonna. On le voit aussi bien à Bergerac qu'au Vanuatu. On le voit aussi bien en Amérique du Sud qu'en Sardaigne. Il y a des opérations lourdes qui sont montées. Mais les semaines et les mois passent. La famille de Claude Erignac attend toujours que justice soit rendue. Rarement, cette femme discrète, déterminée, ne fait part de ses états d'âme. Mais elle s'est pour une fois confiée à quelques journalistes. Je crois qu'il y a toujours un acolyte du commando qui court. Donc l'enquête n'est absolument pas terminée. Colonna est partout et en même temps, il est nulle part. C'est un échec considérable pour la police. Monsieur Till, en décembre 2000, Yvan Colonna donne enfin un signe de vie. Oui, effectivement, après 20 mois de cavale, il adresse un courrier au journal Ouri Bombo dans lequel il donne un signe à ses petits camarades qu'il entend contester, malgré les mises en cause dont il a fait l'objet, toute participation à Pietrozel, à l'assassinat du préfet Erignac et toute implication dans le groupe des Anonymes. Le message est clair pour eux. D'ailleurs, ensuite, c'est seulement ensuite que les premiers vont commencer à rétracter non pas leur propre participation, mais à mettre hors de cause Yvan Colonna. Et quelle est la répercussion de cette lettre sur votre instruction? Didier Maranelli va écrire à ma collègue Levert en disant qu'il se rétracte non pas sur sa participation, non pas sur les dénonciations, juste Yvan Colonna. Il faut retirer juste Yvan Colonna de ce qu'il a dit. Vous arrivez à la fin de votre instruction, vous les renvoyez devant les assises pour... Tout le commando du Sudier, plus les commanditaires, pour assassinat, pour ceux qui sont le plus impliqués dans l'action mortelle, complicité d'assassinat, plus l'association de malfaiteurs, bien sûr, terroristes, et tous les autres crimes ou délits relatifs à l'attaque de la gendarmerie de Pietrozel. En attendant le procès du commando, un homme fait de l'arrestation d'Yvan Colonna une priorité. C'est Nicolas Sarkozy, le ministre de l'Intérieur, futur candidat à l'élection présidentielle. Sonnerie aux morts, recueillement, chaque année c'est le même rituel. Dans la cour du ministère de l'Intérieur, Dominique Erignac assiste à l'hommage rendu à son mari, assassiné en Corse il y a 5 ans. Et à ce moment-là, j'étais en poste à la Division nationale antiterroriste et on a créé un groupe complètement dédié à la recherche d'Yvan Colonna. Il fallait qu'il y ait un service dédié à cette tâche-là. Et en travaillant, en se levant, en pensant Colonna, et en se couchant en pensant Colonna, inévitablement, on ne pouvait avoir qu'un résultat. Les hommes du RAID se déploient en Corse. Il faut fouiller les bergeries, traquer les soutiens de Colonna, délier les langues. Il faut trouver le bon tuyau, la piste qui mène aux fugitifs. Même la pègre corse est sollicitée. À Paris, la justice suit son cours. En juin 2003, le procès du commando et de ses complices présumés s'ouvre sans Colonna dans un palais transformé en bunker. Une cour d'assises spéciale, composée uniquement de magistrats professionnels, doit les juger. Arrive en fourgon. Le dispositif policier se veut dissuasif. Accompagné de ses enfants et de son beau-frère, Dominique Erignac se prépare à un face-à-face difficile.
Hors présence des caméras, les membres du commando prennent place un par un dans le box. 21 gendarmes les entourent. Petit à petit, la veuve du préfet va trouver la force de les regarder, de les découvrir pour la première fois. Face à Madame Erignac, d'emblée, les membres du commando donnent le ton. Ce n'est pas son mari qui était visé, mais le représentant de l'État en Corse. C'est pas l'homme qu'on vise. C'est pas l'homme qui était visé. Ça, il faut que... Voilà. C'est peut-être dur à comprendre et à admettre, mais bon. Malheureusement, c'était lui. C'est malheureux à dire, hein, parce que c'est, on parle quand même de l'assassinat d'un homme. Mais c'est l'acte politique par excellence. C'était juste ça. L'affaire Erignac, c'est juste ça. En fait, ils ont beaucoup de récriminations, à la fois contre l'État français, État colonial, entre guillemets, qui n'aident pas assez la Corse, qui laissent l'agriculture corse partir à volo. Ils en ont contre le système corse féodal, avec les clans, les grandes familles qui tiennent tout, au nord, au sud, etc., etc. Les membres du commando expliquent qu'ils se sont radicalisés dans les années 90, quand les nationalistes corses ont commencé à s'entretuer et que certains dirigeants du FLNC ont noué des relations avec le gouvernement. L'État, depuis 15 ou 20 ans, tout gouvernement confondu, a toujours fait une politique de zigzag. En passant d'une politique de fermeté, après ça, des politiques, quelques années après, de discussions, de tentatives, de compromis. Bien sûr qu'il y a une part de responsabilité qui est au sein de nous. Mais je veux dire, l'État a joué à favoriser cette situation. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont cédé à la facilité, puisqu'ils accédaient à discuter avec les ministres de l'Intérieur. Voilà, tout ça nous a amené à beaucoup de dérives. C'est pour ces raisons qu'après la conférence de presse de Tralonka, où le FLNC, canal historique, a pactisé avec le gouvernement, certains militants, les anonymes, ont quitté le mouvement nationaliste. On n'est plus en phase avec ce qui se passe. Je veux dire, à chaque fois, on est trompé, on est trahi. Il y a des trahisons, il y a des choses qui sont inacceptables. Je veux dire, il y a eu quand même 30 morts entre nous. C'est intolérable. Qu'est-ce qu'on va faire de plus pour qu'il y ait une réaction, pour que ça s'arrête? Faire plus pour ressouder le mouvement nationaliste. Il fallait une cause commune. Les anonymes ont pensé la trouver en déclenchant une nouvelle guerre avec l'État. Mais leurs attentats à Vichy, Pietrosella et Strasbourg n'ont pas eu l'écho escompté. C'est la première fois quand même que, d'habitude, c'est un tir, c'est des trucs. Bon, là, on rentre quand même dedans, on prend les gendarmes. C'est la première fois que ça arrive dans la lutte ici en Corse. C'est un pas de franchi. Ce pas, je veux dire, n'a pas provoqué de l'opinion, ni dans l'opinion publique, ni dans l'État, dans rien. Il n'y a pas de réaction. Donc, il est décidé de passer un cap supérieur. Voilà. L'étape supérieure pour le groupe des anonymes, c'est l'assassinat du préfet de Corse pour déclencher ce fameux électrochoc. Je veux dire, on n'a pas fait ça, on ne s'est pas levé un matin et dire on va aller assassiner un préfet ou... Non. L'acte est bon. Après, est-ce qu'on a pris tous les paramètres, tout en compte? Peut-être pas, mais bon, quand même, oui, beaucoup de choses ont été pensées. Mais au fil du procès, ce mobile politique sonne creux. Face à l'épouse et aux enfants de Claude Erignac, certains prévenus ne parviennent plus à justifier leurs gestes. Et brusquement, Alessandrine s'adresse à Madame Erignac et il présente des excuses. C'est un acte magnifique, humain, fort, lorsqu'il dit « J'ai pris conscience que derrière le symbole, il y avait un homme. » C'est clair que c'est regrettable. Tout le monde, tous, on le regrette, bien sûr qu'on le regrette. Tous. Personne ne mérite de mourir, personne. C'est... Ça n'a pas de nom.
À ses excuses, à ses regrets, il manque une parole, celle du tireur présumé. Mais l'homme n'est pas dans le box. Colonna a été visé dans ce procès et il va être une sorte de fantôme. C'est sûr que pendant le procès du commando, on pense... Le nom d'Ivan Colonna est cité, évidemment, sans arrêt. Le procès touche à sa fin quand se produit le plus incroyable des coups de théâtre. Cette information que nous venons tout juste d'apprendre, Ivan Colonna aurait été arrêté en Corse du Sud par les policiers du raid. La dépêche est datée du 4 juillet 2003 à 19h. Le ministre de l'Intérieur en meeting à Carpentras exulte. La police française vient d'arrêter Ivan Colonna, l'assassin du préfet. La nouvelle interrompt aussitôt le procès. La presse se déchaîne en relevant le lapsus du ministre de l'Intérieur qui vient d'annoncer l'arrestation de l'assassin du préfet Erignac au mépris de la présomption d'innocence. La justice se retrouve face à un dilemme. Faut-il poursuivre le procès du commando sans Colonna ou sursoir et reprendre l'audience plus tard avec lui? Après 2 jours de réflexion, la cour tranche, le procès continue. À l'issue du verdict, Alain Ferrandi et Pierre Alessandri sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Maranelli prend 25 ans, Istria et Ottaviani 20 ans, Versini 15 ans. Quant à ceux qu'on a appelés les intellectuels, les membres de la cellule du Nord, ils écopent de 30 ans de prison. Ivan Colonna, lui, sera jugé plus tard. Il faut d'abord comprendre comment il a pu se cacher pendant un peu plus de 4 ans. C'est un informateur qui a mis les policiers du raid sur la piste d'une bergerie au lieu-dit Monte Barbatou à Olmeto, dans le sud de la Corse. Une petite maison de pierre sèche, en contrebas d'un sentier de randonnée, cachée par les arbres, gardée par des chiens et des oies. Vous imaginez, quand on voit les photos du secteur, c'est pouvoir surveiller l'endroit avec quelqu'un d'extrêmement méfiant, c'est très très difficile. Vous le faites d'assez loin, vous le faites avec des gens qui s'enterrent et qui ne bougent plus, voilà. Pour compléter le dispositif, les policiers dissimulent une petite caméra près de la barrière en espérant que le fugitif s'en approche et laisse voir son visage. Mais fin juin, ce sont des randonneurs qui surgissent tout près de la bergerie au risque d'effrayer Colonna s'il est là et de tout faire capoter. Derrière leurs jumelles, les policiers croisent les doigts. Le danger s'éloigne et 7 minutes plus tard, un homme en short et torse nu sort du cabanon et se plante devant la barrière. Il a les cheveux longs, il est un petit peu forci, mais bon, c'est un peu l'intuition policière. Pour nous, il n'y a aucun doute en voyant cette photo de surveillance. Et donc un matin, il y a le directeur central de la police judiciaire qui me fait venir dans son bureau. Et pour que l'opération puisse rester extrêmement confidentielle, il me demande à ce que je sois le seul officier de police judiciaire mis dans la confidence et de rejoindre le dispositif du raid à Propriano. L'ordre est donné, arrêtez le fugitif dès que possible. 28 policiers du raid s'installent en planque, prêts à bondir. L'occasion se présente le 4 juillet, quand Colonna sort de la bergerie, 2 sacs à la main. Les policiers comprennent qu'il est sur le point de changer de cache avec l'aide du berger qui l'a accueilli. Il m'a demandé de le descendre là au point de rendez-vous. Quelqu'un d'autre doit s'en occuper dont je ne connais pas l'identité. Mais par contre, c'était trop tard, quoi. La bergerie encerclée n'est plus accessible. Les 2 axes qui mènent à la bergerie étaient coupés. Donc on ne pouvait plus fuir et ils l'ont attrapé juste en bas, après le portail de la première entrée. Il a réussi à courir sur une courte distance et qu'il a fallu qu'il trébuche un petit peu pour que le dispositif du raid le rattrape et le maîtrise. Quand je suis arrivé sur le petit parking où je devais le récupérer, il était déjà par terre et 2 flics sur lui qui le menottaient. Frédéric Vaux peut alors s'approcher du prisonnier pour vérifier si oui ou non
Il s'agit bien d'Ivan Colonna. On n'a pas de matériel signalétique d'empreinte dactyloscopique pour confirmer son identification. J'ai besoin qu'il me déclare son identité. Pour que quelqu'un se présente, il faut commencer par se présenter soi-même. Donc je fais le geste de décliner mon identité et mes fonctions. Et là, il m'observe pendant un petit moment avant qu'un petit sourire se dessine. Et il dit, voilà, je m'appelle Ivan Colonna. Ce qui me permet de lui dire que j'ai deux mandats d'arrêt qui s'appliquent à sa personne et que nous allons pouvoir procéder à la perquisition de son domicile s'il veut m'indiquer l'endroit où il réside. Et là, il me répond, j'habite dans le Maquis. Les policiers perquisitionnent donc la bergerie. On retrouve deux sacs qu'il a en sa possession, sacs dans lesquels on va trouver notamment une grenade, deux cagoules, un chargeur de pistolet automatique, deux talkie-walkie, une somme d'argent assez importante. Bon, tout ça reflétant quand même un certain tempérament, une certaine personnalité. Le soir même, Ivan Colonna est mis dans un avion pour Paris. Le lendemain matin, les policiers arrêtent le berger qui le cachait. Durant ses 4 ans de cavale, Ivan Colonna a changé plusieurs fois de planque. Mais c'est chez Frédéric qu'il a passé le plus de temps. Il est venu directement avec la personne qui me l'a amené. Et il n'avait plus le même faciès que sur ses photos qui étaient placardées. Donc, il avait les cheveux longs, blonds, avec un peu de barbe. Il était difficile. Moi, si on ne m'avait pas dit qui c'était, je ne l'aurais pas reconnu. Ivan Colonna a vécu dans cette petite pièce, avec ses livres, ses journaux et les messages d'un fils qu'il n'a pas vu grandir. Il est resté là, dans cette bergerie. Il restait la journée avec moi, puisque j'y étais pour travailler, il m'aidait dans mon travail. Moi, le soir, je rentrais chez moi à la maison au village, et lui restait là. Voilà, après, peut-être que ça lui paraissait un peu long le soir, mais ah, il y avait la télé, il y avait les infos, il y avait tout ça. L'affaire, Frédéric Paoli dit qu'il n'en parlait jamais. C'est un geste humain d'une personne qui était en détresse et poursuivie et qui était aux abois. Voilà, c'est pas. Après le reste, moi, ça ne me concernait pas, ça ne m'intéressait pas. Le temps a passé, délavé les avis de recherche. Ivan Colonna ne se sentait plus traqué, loin s'en faut. Il s'est même autorisé quelques sorties. On est descendu deux fois en ville, manger une glace. Comme ça l'a fait sortir un peu. Pour la Noël, il est venu avec moi passer le soir de Noël à la maison. Mais mes parents n'étaient au courant de rien, je l'ai présenté comme un ouvrier. Personne ne nous a reconnus. Personne ne le reconnaissait. Ah, on a croisé des gens, on a croisé même des gendarmes. La cavale du fugitif le plus connu de France est terminée. L'homme a tenu 4 ans, 1 mois et 11 jours. Maître Garbarini, pourquoi votre client ne s'est-il jamais rendu ? Il était dans une situation où, quelque part, je dirais, il était pris par le personnage, le mythe qu'on avait créé. C'était l'ennemi public numéro un, l'homme le plus recherché de France. En Corse, cette mythologie sur le pied de nez à la police, où on voyait fleurir sur les murs « Gloria à te, au Ivan », c'est-à-dire « Gloire à toi, au Ivan ». Et je pense que tout cela, tous ces éléments, ont fait que cela a vraisemblablement brouillé sa perception de la situation et du fait qu'il n'ait pu rencontrer personne qui lui dise, qui le tire par la manche, c'est le cas de le dire, qui lui dise « Bon, maintenant, on va organiser ta reddition ». Un an après son arrestation, en juillet 2004, il y a son ami de Cargès, Alessandri, qui écrit à la juge Laurence Levert, et qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien, il explique que la mise en cause d'Ivan Colonna, c'est une erreur, et surtout, il ajoute que ce n'est pas Ivan Colonna qui a tué le préfet. Justement, il y a eu des confrontations qui ont été faites entre Pierre Alessandri et lui, et comment ça s'est passé ? L'amitié n'existait plus. Elle avait été reléguée à une véritable tension, et avec Colonna, qui dit « Comment, toi, mon ami, comment as-tu pu me mettre en cause ? Dis-le, explique-le. »
Et alors, il s'est expliqué ? Il s'est expliqué. Il a dit, voilà, aujourd'hui, ma décision, je ne peux pas continuer à mettre quelqu'un en cause alors que je sais que cette personne n'a rien fait, qu'Yvan Colonne n'a rien fait. Il est aujourd'hui de mon devoir de dire que Yvan Colonne n'y est pour rien. Pardon. Vous êtes 5 avocats à défendre Yvan Colonna. Comment démonter l'accusation ? Yvan Colonna fait le choix qui est le suivant, en disant, écoutez, moi, avant de répondre à vos questions, j'ai lu mon dossier. Il n'y a aucun élément matériel qui me met en cause. Je suis innocent. Vous m'opposez tel argument ? Très bien. Sur quoi repose-t-il ? La téléphonie ? Mais Yvan Colonna n'avait pas de téléphone. Et l'accusation qui est très faible, c'est toujours servi de la fuite d'Yvan Colonna pour dire, vous voyez, il est coupable. Parce que s'il n'était pas coupable, eh bien, il n'aurait pas fui. C'est le seul argument qu'a eu l'accusation pendant des années et des années de procédure pour essayer de stigmatiser la culpabilité d'Yvan Colonna. Monsieur le juge, vous avez rencontré régulièrement Yvan Colonna. Comment se sont passés ces interrogatoires ? C'était rude. Il ne voulait pas parler de sa période de recul, c'est-à-dire de sa cavale. Il ne voulait pas parler de son engagement nationaliste. Bref, il voulait parler de rien. Et alors, il dit qu'il était où le soir du 6 février ? Il dit qu'il était chez lui ou au Chèvre, enfin, mort, qu'il était à Kergès. Il n'était pas à Ajaccio. Et le soir de Pietrosel, là-bas, il était avec son fils, lui payer une pizza. Il a fini par me le dire au bout de 20 mois d'instruction. Comment était l'ambiance pendant ces confrontations entre Colonna et... Et ces ex-accusateurs Ces ex-accusateurs regardaient leurs pieds. Je relisais les mises en cause faites par l'un ou l'autre. Je relisais, voilà ce que vous avez dit sur monsieur que là, vous maintenez. Ils disaient, non, je ne maintiens pas, c'est pas bien ce que j'ai fait, etc. Je disais, monsieur Colonna, vous avez quelque chose à dire ? Ben non, je constate qu'ils disent ce que j'ai toujours dit, j'y étais pas, et puis voilà. Hein. Les avocats de Colonna compte plaider l'absence d'éléments matériels, et c'est vrai que dans ce dossier, vous n'en avez pas beaucoup. Non, mais 4 ans de cavale, des mises en cause une nouvelle fois circonstanciées, et une absence d'explication sur les raisons pour lesquelles, finalement, elles sont retirées du jeu. Personne n'explique qu'il avait un contentieux personnel avec lui, et puis un climat de pression qui n'a échappé à personne. Yvan Colonna est donc renvoyé devant les assises, lui aussi. Donc, pour quel chef d'accusation ? Il est renvoyé pour les faits qui concernent l'assassinat, comme auteur principal, et pour tout ce qui concerne la gendarmerie de Pietrosel. Quand s'ouvre le procès d'Yvan Colonna, 2 décisions de justice importantes ont déjà été rendues. Les membres du commando ont été condamnés et ils ont accepté leur peine. Ceux de la cellule du Nord, les intellectuels, ont fait appel en revanche, acquittés. Un espoir pour la défense de Colonna. L'audience débute à Paris le 12 novembre 2007. Comme à son retour de Corse en juillet 2003 et comme à chacun de ses transferts, Colonna traverse la capitale toute sirène hurlante dans un convoi hyper sécurisé. Dans l'île de la Cité, 150 CRS et gendarmes mobiles interdisent les accès au palais de justice. Il était suivi par un hélicoptère entre la prison et le palais de justice. Il y avait un déploiement, une débauche de moyens de sécurité absolument hors du commun. Yvan Colonna se dit innocent. 5 avocats parmi les plus grands pénalistes sont là pour le soutenir. C'est du lourd, c'est du polyphonique, on va dire. La veuve de l'ancien préfet de Corse va être confrontée pour la première fois à l'assassin présumé de son mari. Le procès passionne. Qui de l'État ou du berger remportera le bras de fer ? La justice aura-t-elle raison du fier militant corse, capable de résister 4 ans à la police tout seul dans son maquis ? Le mythe est en place. Yvan Colonna devient un symbole, ça y est, donc, à la fois de l'injustice éventuelle, à la fois du héros moderne. Quand, en effet, tout le monde s'acharne pour dire « Colonna est innocent », l'objectif final
c'est d'attaquer le président de la République de l'époque ayant en effet eu des propos un peu rapides et malheureux sur un individu qui est présumé innocent jusqu'à son jugement. Quand le procès s'ouvre, Ivan Colonna surprend tout le monde. Il accepte de bon gré d'aider la justice. Tout de suite, il montre son intelligence, la pertinence de ses réponses. Il joue le jeu de la procédure. Ivan Colonna est à l'aise. On m'accuse d'être le tireur, prouvez-le. Pour lui, comme pour ses avocats, le dossier est vide. C'est un dossier où il n'y a pas de preuves scientifiques contre lui. Il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas d'empreinte digitale, il n'y a pas de téléphonie. Plus important encore, à la barre, aucun témoin de la scène de crime ne reconnaît Ivan Colonna. Je passais devant la rue, dans la rue, là où s'est passé l'assassinat. Et qu'est-ce que vous avez vu ? Le tueur, qui en fait, je pensais pas qu'il tirait sur quelqu'un, je pensais qu'il tirait par terre. Donc voilà, à ce moment-là, je savais pas ce qui se passait. Est-ce que vous avez reconnu Ivan Colonna ? Non. Vous l'avez répété aujourd'hui à la barre ? Bien sûr, oui, j'en suis formelle. Durant les premières semaines, la défense d'Ivan Colonna marque des points. On sentait que la défense avait réussi à instiller le doute qui, bien évidemment, doit profiter à l'accusé. En même temps, on a toujours le sentiment qu'il y a un deuxième procès qui se joue de manière un peu souterraine ou parallèle. Et c'est ce qui se passe avec le témoignage des femmes. Vont-elles maintenir leurs témoignages accablants en présence d'Ivan Colonna ? C'est le moment le plus attendu du procès. Difficile d'effacer les aveux de garde à vue. L'ex-femme d'Alain Ferrandi avait dit avoir vu Ivan Colonna chez elle avec deux membres du commando. Je me souviens tout à fait de Jeanne Ferrandi, qui voit le soir et après l'assassinat arriver chez elle Alessandri Colonna et son mari Ferrandi. Elle le dit clairement, j'ai vu arriver Ivan Colonna. La difficulté, c'est que deux mois plus tard, elle est de nouveau entendue par la police. Et elle ne va pas revenir dessus. Et je vais la mettre en porte-à-faux par rapport à cela. Tout au long de l'interrogatoire, par l'accusation, puis par la défense, elle va répondre cette seule et même phrase. Non, je ne vous répondrai pas. À 15 reprises, elle dit non. Ce qui est terrible, c'est que lorsque Jeanne Ferrandi ou Valérie Dupuis vont à la barre dire « je ne sais pas » aux questions que nous posons, cela veut dire « oui, ils étaient présents ». Car si par hasard, ce qu'elles avaient dit était faux, elles auraient proclamé « ce que j'ai dit est faux ». De non-dit en non-dit, une vérité se dessine en creux, accablante pour Colonna. Alors les avocats de la défense misent sur leur dernière carte, le chef du commando lui-même. Il faut qu'Alain Ferrandi dise haut et fort qu'Ivan, son ami, est innocent. Il dépose le 3 décembre. Il rentre, il va directement à la barre, sans regarder personne et sans regarder son ami Ivan Colonna. La cour le presse de questions, mais Alain Ferrandi refuse de donner le moindre détail sur le rôle des uns et des autres le soir de l'assassinat. Et c'est finalement Ivan Colonna lui-même qui va l'apostropher en lui disant mais il commence en Corse puis continue en français mais enfin dis-leur que j'y étais pas. On attend et répond pas. La salle est suspendue aux lèvres du témoin. Alain Ferrandi ne jette pas un regard à Ivan Colonna. Et c'est là qu'il va lui dire « tu es un homme d'honneur, puisque tu dis que tu n'y étais pas, c'est que tu n'y étais pas », toujours sans un regard pour lui. Et il le met hors de cause tellement à minima que ça devenait presque pire qu'une accusation. C'est comme ça que toute la presse le lendemain a interprété sa déposition. Donc là, ça a été un moment où le procès certainement a pu basculer, oui. Le 13 décembre 2007, Ivan Colonna est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Ses avocats font immédiatement appel. Maître Garbarini, le procès en appel s'ouvre en février 2009. Comment il se déroule justement, ce nouveau procès ? Nous apprenons à l'audience que le secrétaire général
de la préfecture, qui s'appelle M. Vinolas, doit être entendu un vendredi soir sur la personnalité de M. Erignac. Et là, à la barre, bonjour, Monsieur le Président, vous avez eu ma lettre. Stupeur sur les bancs de la Défense, mais de quelle lettre parle-t-il? Oui, parce que, en fait, j'ai des éléments à vous donner sur le fond. Il se retourne vers les avocats généraux, parce qu'ils étaient deux, en disant « Mais d'ailleurs, je vous ai écrit à vous en premier. » Donc, nous apprenons qu'il y a deux lettres qui ont été faites, qui concernent l'affaire au fond, c'est-à-dire sur des éléments qui sont de nature à donner une à participer à la manifestation de la vérité, et surtout qu'elles nous ont été cachées. Alors, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, incident d'audience, bref, renvoi de l'audience, le lundi, et là, j'ai endossé la robe du questionneur. Qu'est-ce que vous avez fait de la lettre? Pourquoi vous ne l'avez pas communiquée? Quand l'avez-vous eue? Pourquoi vous n'avez pas audiencé le témoin pour parler sur le fond? C'est, voilà. Et le dossier, l'affaire du deuxième procès part dans cette ambiance-là. Donc vous imaginez qu'il n'y a plus de procès. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est une reconstitution. Pourquoi pas de reconstitution? C'est un droit pour Ivan Colonna. Alors il n'a pas le droit d'être présumé innocent? Il n'a pas le droit à une reconstitution? C'est quoi son droit? D'être coupable et de prendre perpète? Et là, on ne peut pas continuer comme ça. Bon, d'abord, ce n'est plus un procès, c'est une espèce de jungle irréelle. Là, il y a une tension qui est énorme. Et partir d'un procès, c'est tout sauf une décision facile. Et donc tous les avocats de la Défense quittent l'audience? Ouais, avec l'accord du client. Et que fait votre client? Il quitte le procès. Et le procès continue? Et le procès continue. Maître Lavagne, un président débordé, un accusé qui quitte le box, dans ces circonstances, sans accusé, sans défense, le procès devait-il se poursuivre? On ne peut pas interrompre un procès simplement parce que la personne qui est accusée refuse d'y participer. Comment vos clients réagissent-ils? Je pense qu'ils étaient très surpris de la stratégie de la défense qui a délibérément créé des incidents à partir de rien ou presque rien. Les révélations d'un témoin, finalement, elles n'ont absolument rien donné. Jamais la défense n'en a tiré argument. Et puis ce refus de la reconstitution, il était parfaitement normal. Les membres du commando même refusaient de participer à toute reconstitution. Qu'est-ce qu'on aurait pu aller reconstituer à Ajaccio? Qu'est-ce qu'on aurait été faire là-bas? Ce procès, c'est un peu un naufrage, en fait, pour la justice. Je pense que les Erignac ont vu ça comme un sabordage décidé délibérément par la défense d'Ivan Colonna. Ils ont eu le sentiment que, dans l'opinion publique, cette défense de rupture parvenait à marquer des points. Et que l'image d'Ivan Colonna était en train de se transformer? Oui, on l'a transformé en une espèce de héros romantique, la victime d'un complot de l'État, de Nicolas Sarkozy, allez savoir pourquoi, alors que la réalité du dossier est complètement différente. Quel est le verdict à ce second procès? Le même que pour le premier procès. Ivan Colonna a été reconnu coupable et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Ivan Colonna se pourvoit en cassation, un troisième procès va avoir lieu. Ça commence à faire beaucoup pour vos clients, non? À ce stade-là, en fait, les Erignac sont presque spectateurs du combat d'Ivan Colonna contre l'évidence. En mai 2011, 13 ans après l'assassinat du préfet de Corse, la famille de Claude Erignac doit une nouvelle fois monter les marches du palais. C'est une torture, je dirais, pour les deux familles, parce que, évidemment, pour la famille Erignac, qui n'en peut plus, cette histoire, c'est épouvantable. Et puis c'est dur pour les parents d'Ivan Colonna aussi, c'est leur fils. L'avocat Éric Dupont-Moretti a rejoint la défense, une défense qui a décidé de changer de discours. Au fil des trois procès, finalement, Ivan Colonna finit par admettre qu'il était dans le groupe dit des anonymes au début. Dans leur proximité. Ils savaient que ça existait, ce groupe. Les amis qui sont là, renvoyés devant la cour d'assises, au premier procès, ils les connaissaient à peine. Là, ils les connaissaient si bien, de manière si intime, qu'effectivement, il a été approché pour faire partie de ce commando. Une ligne de défense plus réaliste. Mais Ivan Colonna ne va pas plus loin. Il affirme
qu'il a refusé de participer au projet criminel que lui proposaient les anonymes. Et c'est précisément ce pourquoi ses anciens amis l'auraient accusé. Par dépit, par ressentiment. La théorie du complot, elle surgit après 8 ans de procédure. Ni l'accusation, ni la partie adverse n'en croient un mot. D'un côté, il revendique son appartenance à une mouvance nationaliste corse, et d'un autre côté, il pleure en disant qu'il est innocent. Donc, il y a un moment donné où, ou bien on est un soldat, dans ce cas-là, on lève la tête, ou bien on est un enfant, et dans ce cas-là, on ne veut pas être un soldat. Lors de ce troisième procès, le président accède tout de même à la demande de la défense. La cour se transporte à Ajaccio pour une reconstitution. La ville est en état de siège. Face à la cour, Ivan Colonna. L'audience vient de débuter en plein cœur d'Ajaccio, mais il ne dira pas un mot de la soirée et restera sur le côté, simple spectateur. Pierre Alessandri, qui a fini par s'accuser d'être le tireur, accepte de donner quelques explications. Mais il refuse catégoriquement de mimer l'exécution de Claude Erignac. Ivan Colonna ne bronche pas. Chacun y trouve, qu'on soit en défense ou en accusation, chacun y trouve des éléments qui confortent ses positions. Donc vraiment, c'était indispensable, parce que ça aurait été un point de rupture sans doute pour la défense, mais aussi, pour que la cour puisse vraiment s'imprégner du lieu des faits. Indispensable, mais pas décisif. C'est un autre événement qui va marquer cet ultime procès. C'est un vendredi soir, les bancs de la presse sont quasi déserts. Le président dit « Je vous demanderai de rester quelques minutes, j'ai une pièce à verser au dossier. » Et cette pièce, elle est incroyable. Je n'ai jamais vu, j'ai suivi de multiples procès d'assises, je n'ai jamais vu une telle situation. Cette pièce, c'est la photocopie d'une lettre qu'un mystérieux personnage a transmise à la justice. Une lettre en langue corse, adressée à Pierre Alessandri en 2010, un an avant le dernier procès. Son auteur serait Ivan Colonna. Ce courrier, c'est un courrier de rage. Il exprime toute sa haine envers Ferrandi, envers Alessandri, c'est-à-dire les deux hommes qui l'ont le plus accablé au cours de leur déclaration. Au procès, écrit-il, il faudra assumer ce que tu as été, une balance. Tu m'as balancé, tu m'as sacrifié. Ce sera la guerre dehors. Il y en aura pour tout le monde, il faut que tu le saches, tout le monde. Je suis clair. La défense est complètement paniquée, ne sait pas comment s'en sortir. Nous, on essaye, les journalistes, de vérifier, on appelle les avocats, ça va. Et cette lettre a été authentifiée par la défense d'Ivan Colonna. C'est-à-dire qu'on nous a dit que c'est une lettre d'Ivan Colonna. Cette lettre montre un certain visage, un certain aspect du personnage, un aspect rugueux, dur, violent, prêt à aller jusqu'aux dernières limites, ce que Ivan Colonna avait quand même tenté de gommer tout au long des procès précédents. Avec cette lettre, Ivan Colonna vient de perdre la guerre médiatique. Mais la cour d'assises spéciale, elle, n'en tire rien de plus, rien de moins. Sa conviction reste la même qu'en première instance et en appel, coupable. Le 20 juin 2011, après 7 heures de délibération, les magistrats condamnent le berger de Cargèse à la prison à perpétuité. Maître Garbarini, vous saviez que votre client avait adressé cette lettre de menace à Pierre Alessandri ? Absolument pas. Je parle pour moi, ça ne me dérange pas, cette lettre. Lorsque vous avez été accusé injustement, lorsque ça vous a brisé votre famille, que vous avez été condamné une fois, deux fois, c'est cassé, que vous arrivez en troisième procès et que c'est votre ami qui vous a accusé, une petite lettre de menace, ça ne veut pas dire que vous êtes coupable, hein, si c'est lui qui l'a écrit. En fait, votre client, il est coincé ou il endosse le rôle de l'assassin ou celui du lâche? Mais il passe pour un lâche pour qui? Pour ses prétendus amis? Pour les gens qui seraient en accord ou valideraient l'assassinat du préfet? Ben, je pense qu'il vaut mieux passer pour un lâche, alors. Et le rôle de l'assassin, il ne peut pas endosser ce rôle parce qu'il ne l'a pas commis. Et qu'il était à
diamétralement opposée à la situation qui a conduit ces personnes-là à faire partie d'un commando qui a attenté à la vie du préfet Erignac. Il a tourné le dos au militantisme depuis longtemps. Il avait un combat qui était de vivre sur sa terre, avec sa famille, avec son troupeau, et pourtant ils vont l'accuser, et pourtant ils sont amis. Donc la question que je me suis toujours posée, c'est pourquoi l'ont-ils accusé? Qu'est-ce qu'ils ont à lui reprocher? Mais ils n'ont jamais voulu s'exprimer là-dessus. Et Yvan Colonne s'est fermé, il n'a jamais voulu parler. Maître Lavagne, jusqu'au bout, Yvan Colonna aura refusé d'assumer l'assassinat. Est-ce que vos clients attendent de lui une parole de vérité, une parole libératoire? Non, non, ils n'attendent rien de lui. Yvan Colonna doit avoir une démarche de vérité maintenant, mais pas pour les Erignac. Il doit avoir une parole libératoire pour ses proches, pour ses soutiens, pour lui-même, mais pas pour les Erignac. Ça a été long pour eux, 5 procès, 5 audiences. Comment ils ont vécu ça? Ils ont passé au total 8 mois sur les bancs des différentes cours d'assises, avec beaucoup de patience et de dignité. Yvan Colonna a été jugé 3 fois et il a été reconnu coupable 3 fois. Il n'y a pas de doute. Il reste juste le deuil. Malgré ces 3 condamnations à perpétuité, le berger de Cargès n'a pas abandonné la partie. Il a déposé en 2013 une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme pour atteinte au procès équitable.